Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 2 octobre, j'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours parce qu'il fait un temps pourri et qu'aux écuries c'est un petit peu la course, donc du coup voilà, mais aujourd'hui il fait un petit peu beau, donc je vais filmer un petit peu aujourd'hui, donc je vais filmer Monsieur Lamy qui a changé de box comme vous pouvez le voir. Voilà, il a récupéré un box avec une fenêtre. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais essayer de le mettre un petit peu au paddock avec qu'il est beau. Donc cette semaine, ça va encore être une semaine chargée. Là on a eu... Bah donc tout le monde parle beaucoup aujourd'hui. Donc je disais, on a eu une semaine très calme là, celle que du coup je ne vous ai pas filmée depuis... En gros, la semaine qui s'est passée entre la dernière vidéo que j'ai postée et celle-ci. Il ne s'est rien passé de particulier à part que l'ami, donc elle est très très bien. Et donc là, cette semaine, on réattaque avec une semaine marathon. Puisque demain matin, donc il y a une dame qui vient faire massage, enveloppe mandale, tout ça pour l'ami. Ça lui fera pas trop de mal. Et demain après-midi, on fait la visite veto. La fameuse deuxième pour voir si ça a évolué. Voilà. Bon bah voilà, première rencontre les gars. Quelle galère. J'ai lui qui marche comme un bœuf là. Lui qui marche tout doucement. Voilà, voilà. Bon, c'était une galère sans moi pour les amener. T'es vraiment loulou? Alors aujourd'hui on est le 3 octobre, il est 9h, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Théo est malade et ça va être une longue journée, donc là j'ai appelé ma mère en catastrophe pour qu'elle vienne garder Théo pour le rendez-vous. Les chevaux sont pas encore nourris, parce que du coup je l'attends, parce que je peux pas laisser Théo tout seul parce que bah, il est malade. Voilà, ça va être une super journée. Voilà. Bien passé. Donc là j'ai rhabillé le poney et on va aller au paddock avec qu'il est beau.
avant la visite vétérinaire de tout à l'heure. Ma représentation, au cas où qu'ils aient changé hier. Qu'il est beau. Aïe. Bon, aujourd'hui, il a fait très très froid cette nuit. Il a fait 2 degrés. Il a fait 2 degrés et du coup l'ami marche très très mal. Donc retour à la case départ, il a fait très froid et l'ami marche très mal. Je suis dépitée. Et voilà, première étape de la journée. Fini. Ça me fait trop mal au cœur de le voir comme ça. Il marchait plus comme ça depuis un sacré moment. Mais bon, voilà. Ensuite, deuxième étape, vétérinaire tout à l'heure. Bon, c'est parti. Alors là, on est l'après-midi. La veto m'a dit qu'elle venait tard ce soir. Et là, je vais voir l'ami au pré, parce que ma mère donc, viendra partir. Et en passant devant son paddock, elle m'a dit qu'il était couché. Alors qu'il n'est jamais couché la journée. Donc, je vais aller voir. J'espère que c'est rien, parce que comme il va pas bien aujourd'hui. Désolée, je suis essoufflée, mais avec la grossesse, je suis hyper essoufflée. Alors, mon petit bonhomme. Bon, il respire calmement, alors j'espère qu'il fait juste la sieste. Bon, donc là, je vais chercher un cure-pied, parce que comme il est couché, et que depuis quelques jours, il me laisse plus du tout prendre ses pieds, donc là, je vais en profiter qu'il soit couché, comme ça, ça lui fait pas mal. Je vais pouvoir regarder s'il ne cache pas un petit abcès. Et voilà, je suis essoufflée comme un bœuf, ça n'a pas que des bons côtés d'être enceinte, hein, je vous le dis. Bon, c'est couché, et puis je sais même pas où est qu'il est beau. Un petit chat. Bon alors attends. Le soir, Loulou est rentré au box. Bon, il s'est relevé 20 minutes après. Et effectivement, la masseuse m'a dit que ça pouvait les rendre KO. Et on m'a confirmé après d'autres personnes que, effectivement, leurs chevaux, quand ils se faisaient masser, ils étaient HS. Donc je pense que le froid de cette nuit plus le massage, ça a dû le casser un peu en deux. Donc là, la veto arrive, il est 18h35. Et elle va arriver.
Bon, c'est bien. Ça a pas bougé? Non. Ça s'est pas empiré. Non, c'est cool. Déjà. Non, ça a pas du tout empiré. Non. Mais c'est cool. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Mm. Mais je pense que d'avoir percé l'abcès et d'avoir enlevé quand même toute la merde qui coulait, ça a quand même aidé à endiguer un peu le processus. Bah c'est sûr. On voit encore les... Ce qui est fou, c'est qu'on voit pas le trou. C'est parce qu'on voit... Ah non. Non, on voit pas le trou là dans ton sabot de... Ouais, t'as quasiment plus de sous. C'est que des super nouvelles, ça. Oui, toujours à 60. Bon, hein. Bah voilà, ça y est, la journée se termine. Il est 20h et Chloé vient. Donc la vétérinaire vient juste de partir. Donc voilà, la visite vétérinaire est très concluante. Globalement, c'est que des bonnes nouvelles. À la radio, donc ça a montré que ça n'avait pas évolué dans le mauvais sens. Donc ça veut dire qu'on peut écarter les pistes graves dont on avait parlé. Donc ça n'a pas du tout bougé, donc ça c'est une super bonne chose. Le cardio n'a pas évolué encore, et par contre le souffle au cœur a quasiment totalement disparu. Voilà, ensuite bon, au niveau de sa carie, il n'y a rien qui a changé, mais bon, du coup elle pense que s'il continue dans ce sens là dans un mois on pourra le sédater pour aller regarder du coup ce qui se passe dans sa bouche. Voilà, sinon elle a trouvé qu'il se déplaçait très bien, alors que pourtant aujourd'hui c'est une journée où je trouve qu'il est le moins bien, donc ça veut dire que c'est vraiment très très bien. Voilà, globalement pour les nouvelles, c'est vraiment que des bonnes nouvelles. Donc, en plus il a été top, il s'est bien tenu, bon il a un peu utilisé sa mauvaise foi, mais bon, et voilà, non franchement c'est, je suis contente. Voilà, monsieur a enfilé le pyjama et va pouvoir aller faire un gros dodo. La longue journée est terminée. Et donc tout à l'heure, effectivement, quand il était couché, c'était bien le contre-coup du massage. Et en fait, rien d'inquiétant. Mais bon, moi j'ai tendance à vite m'inquiéter quand ils sont couchés comme ça, j'aime pas. Un mauvais souvenir. Donc voilà, c'est une bonne journée qui finit bien.